Alors, Africa de liberté, chers amis, chers frères et sœurs, chers panafricains, chers panafricaines, chers peuples de Côte d'Ivoire, chers peuples d'Afrique, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se déroule très bien en cette soirée de mercredi 20 décembre 2023. Chers amis, d'abord, j'aimerais demander à toutes les personnes qui sont déjà connectées, voilà, n'oubliez pas de partager massivement ce direct. N'oubliez pas, chers amis, de mettre assez de pouces. Pompez massivement les pouces bleus pour protéger cette vidéo. Taguez vos amis, invitez vos amis. Et si c'est la première fois que vous nous prenez en marche sur cette plateforme panafricaine, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas, en tout cas, de vous abonner, mais surtout d'activer comme ça la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous publions sur cette plateforme panafricaine. Afrique de liberté, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, partagez les directs, invitez vos amis, taguez vos amis. Ce soir, rapidement, on va ensemble écouter cette vidéo depuis la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où le gouvernement moribond d'Alassane Dramane Ouattara est en train de comme ça saouler hein, les Ivoiriens avec cette histoire de la CAN. Trop, c'est trop. Ils sont en train de faire chier les Ivoiriens. On ne doit pas faire ci. On ne doit pas faire ça. On ne doit pas marcher ainsi. On ne doit pas respirer comme ça. On ne doit pas, c'est-à-dire, c'est du bordel, la merde. Et trop, c'est trop. Trop, c'est trop. À cette allure-là. Mais ce sont eux qui vont payer le prix. Et ça, là, ce n'est pas un débat. Qu'est-ce qu'il y a? Avec cette histoire de CAN, l'Ivoirien n'a même plus le droit de respirer encore une énième fois dans son propre pays. Déjà que c'est déjà pis. Déjà que tout est confisqué. Hein? Déjà que tout lui a été confisqué depuis la Côte d'Ivoire par ce gouvernement moribond. Mais on vit encore superposé. On vit encore, c'est-à-dire augmenté. On vit encore empêcher l'Ivoirien lambda de s'exprimer librement à travers cette CAN. Mais Dramane Ouattara ne paie rien pour attendre, ce n'est pas un débat. Alassane Dramane Ouattara et puis son gouvernement, il ne paie rien pour attendre. Ils ne perdent rien pour attendre. Afrique de liberté, chers amis, chers frères et sœurs, chers peuples de Côte d'Ivoire, ensemble, on va écouter cette vidéo. Mais je vous dis, si on ne fait rien là, ça va continuer ainsi. Comme la maman l'a dit, 2023, on n'a même pas pu respirer. Si rien n'est fait 2024 là, ça sera pire. Il faut que ça change. Et pour que ça change, il faut que les Ivoiriens, il faut réagir. Et c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est très important. Écoutons la vidéo, écoutez attentivement ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec cette histoire de CAN. Et à tout à l'heure, on y va. On a comme l'impression que ils ne veulent pas que les Ivoiriens partent au terrain. Ils ne veulent pas que les Ivoiriens assistent à ce match-là. Ils veulent que les Ivoiriens boudent. J'ose croire que cette information qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux et au bas duquel on met la COCAN ou le COCAN, je ne sais pas pourquoi c'est COCAN, c'est le comité ou bien la commission, je ne sais pas. Mais il faut que ces personnes-là demandent cette information-là. Si cette information reste vraie, elle reste avérée, elle n'est pas juste. Par quel moyen ils vont contrôler les maquis, les restaurants, si on ne peut pas. On ne doit pas regarder les marques dans notre télévision. Mais si on a notre abonnement, moi, chez moi, ici, nous sommes 8. Des grands garçons parmi les enfants. Si on doit aller au stade ou bien à une BMP, mais regardez ce que ça va nous coûter. Si chacun doit porter un maillot, regardez ce que ça va nous coûter. Mais on a notre abonnement Canal, puisque la première chaîne ne peut pas diffuser cela. Voilà. La première chaîne va diffuser cela. Donc, on peut regarder sur la chaîne qui va diffuser le match. Mais on va interdire la diffusion du match. Mais comme l'a dit quelqu'un, je l'ai vu dans une publication, mon ami et frère Daliba, qui dit, cette affaire de Kokana, cette affaire de Kana, on va terminer devant la police. Oui, c'est encore des arrestations qui sont en vue. Parce que j'ai mon maquis, j'ai mon abonnement. Vous allez passer pour dire, faut pas regarder la CAN. Mais vous, ce que vous faites là, vous allez faire, les Ivoiriens vont bouder la CAN et puis ça va créer autre chose. La semaine dernière, j'étais à Korogo. J'ai emprunté une moto, qu'on appelle moto taxi. Et nous sommes passés à côté du stade de Korogo.
Il dit, ah, le stade il est beau, hein. Ah, donc, après tout, vous allez venir regarder. Il dit, on va venir regarder. Il dit, oui, mais les tickets seront en vente, peut-être dans les supermarchés. Il dit, donc, c'est payant. Il dit, oui, c'est payant. Là. Nous, on va pas venir là-bas. Si c'est payant, on va pas venir là-bas. Déjà même, c'est payant, là. Les gens sont en train de dire qu'ils vont pas venir. Et puis, vous trouvez les arguments encore aux Ivoiriens. Mais, regarde, je prends les deux stades d'Abidjan et Bempe et le stade Philippe Boigny. La population de Yopougon seulement, en fait, 2 500 000 habitants. La population de Yopougon seulement va compter dans les deux stades. Sans compter les autres communes. Donc, arrêtez. Vous aimez contraindre les gens à faire des choses, quoi. Toujours la contrainte. Toujours. Présenter, il faut l'avoir forcément. Si tu n'as pas, tu ne passes pas par ici, par là. Voilà la nouvelle présidente qui est sortie. Pas de filiation de nos parents dessus. Rien dessus. Tu vas, on te demande, je suis allé faire mon passeport, on dit tu n'as pas l'ancienne pièce d'identité. Je dis pourquoi, on dit non, là-bas, là, il y a le nom de papa et maman dessus. Là, la nouvelle pièce d'identité, il n'y en a pas. Et puis pour ça, on nous a, combien de fois on ne nous a pas assélé pour ça? Tu vas à la banque, on te demande encore l'ancienne pièce d'identité. Il faut mettre le nom du père, de la mère dessus. Mais vous voyez, quand vous voulez faire des choses comme vous voulez, sans tenir compte de la population, c'est comme ça. Et aujourd'hui, cette pièce d'identité-là, elle ne ressemble presque à rien. Parce qu'une pièce d'identité qui ne révèle pas ton identité réelle, il y a problème. C'est pour ça, aujourd'hui, c'est fraudé partout. C'est la même chose encore pour CMU. Vous avez imposé ça à tout le monde. Aujourd'hui, à l'hôpital, tu as ça. Oh, c'est comme si tu n'as pas ça. Voici canne. Vous faites trop de bruit autour de cette canne-là. Trop de bruit. Trop de bruit. Comme si c'était la première fois en Côte d'Ivoire. Comme si c'était la première fois dans le monde. Les gens ont gardé ce Coupe du Monde. Et puis les gens dorment en paix chez eux là-bas. Coupe du Monde là, on voit dans les rues. Les gens sont assis dans les trucs de plein air, ils regardent Coupe du Monde. C'est chez nous ici là. On va faire interdiction, interdiction, interdition, interdiction. Sidibé, si tu cherches preuve là, moi je dis, si cette affaire est avérée, elle ne serait pas bonne. Toi, va chercher les preuves ailleurs. Demande aux gens d'accorder le cas de la CAN, combien de fois on dit, voici les informations, on n'a qu'à porter le démenti. Moi, je vois ça sur les réseaux sociaux également. Ils n'ont qu'à apporter le démenti. Si tu cherches les preuves, c'est pas à moi de t'amener les preuves du communiqué. Toi, cherche le contraire. Voilà. Cherche le contraire. Et puis moi, je ne sais pas quoi. Mais vous êtes sur une page que vous ne supportez pas. Tout ce qu'on dit, vous dites, c'est faux. Vous êtes sur la page. Moi, quand j'aime pas ta page là, j'aime pas ton communiqué, je quitte dessus. Ou bien tu es un espion. Voilà. Tu me dis là, tu quittes dessus. Voilà. Donc, il y a des milliers de sites aujourd'hui sur la page qui parlent de l'interdiction, de la diffusion des marques, de les maquiller et autres. Tu vas répondre à tout le monde que la caisse et ceux qui organisent la CAN fassent un communiqué pour dire tout ce qui se passe actuellement là, c'est faux. Qu'on peut diffuser les marques partout où on veut. C'est tout. C'est tellement simple. Comme vous avez des attaches avec le pouvoir, vous pouvez rapidement les contacter. Voilà. Et puis, ils vont nous dire le contraire. Nous, on dit ce qu'on voit. Maintenant, si c'est faux, ils n'ont qu'à nous diffuser ça rapidement pour dire, il y a un communiqué qui vient de sortir, le communiqué dit, tout ce que les réseaux sociaux racontent là, c'est faux. Et qu'il n'y a pas d'interdiction de rediffusion des matchs dans les maquis, dans les bars et autres. Nous, on dit, si cette information s'est avérée vraie là, nous là, on ne va pas accepter ça. C'est ce qu'on entend de dire. Donc, si c'est vrai, il faut le dire. Voici un peu, si c'est vrai, tu dis non, c'est vrai. Si c'est faux, apportons-nous un communiqué contraire. C'est ça en train de parler. Voilà. Et merci à tous les Ivoiriens. Nous sommes en train de dire quoi? Nous disons que c'est un honneur que notre pays ait été choisi pour organiser la CAN. C'est un honneur pour nous. Parce que la CAN va faire vivre notre pays. Il y a les restaurants qui vont marcher. Il y a les restaurants qui vont marcher. Il y a des complexes hôteliers qui vont marcher, parce que j'étais à Korogo tout récemment, j'ai vu que beaucoup d'hôtels étaient en réhabilitation, beaucoup d'hôtels étaient en réhabilitation, Abidjan, Bempe, Anyama, des hôtels sont en réhabilitation, et là, ça va donner l'argent au pays, c'est bon. Mais, trop d'interdits là, ou bien trop d'interdictions, ça va tuer l'ardeur, ça va briser les choses, ça va ralentir l'élan des Ivoiriens, qui voudraient aller soutenir leur équipe. Ça va quand même briser les choses. C'est pour ça qu'il faut arrêter ces gens d'interdiction.
Nous voulons que ça soit faux. Comme vous le dites, c'est faux. Moi-même, je dis que c'est faux. Mais je fais cette vidéo pour interpeller nos dirigeants. Monsieur le Premier ministre, lui-même en personne, qui est d'abord le premier responsable même de l'organisation de cette canne-là. Je ne veux pas que ça soit vrai. Que ça soit cette histoire de maillot, que ça soit cette histoire d'interdiction de rediffusion, que ça soit faux. Mais pour que les Ivoiriens sachent que c'est vraiment faux et que nous ayons l'esprit tranquille, il faut un communiqué officiel qui vient démentir tout ce que nous sommes en train de dire là. Quand c'est démenti, on est tranquille. On fait un communiqué pour dire non. On peut regarder le match dans son maquis, ou bien dans un restaurant, ou dans un bar. Mais tant qu'on n'a pas encore vu un communiqué contraire, on suppose que c'est encore vrai. Parce que qui ne dit rien, consent. C'est très simple. C'est très simple. Parce que trop d'interdits, comme je l'ai dit, tue l'ardeur, tue le dégoûtement, et qu'on appelle l'engouement, tue le dévouement. Voilà. Ce serait très mal vu. Ce serait pas joli. Ce serait pas élégant que la canne soit organisée en Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens la boudent. Que les Ivoiriens ne se rendent pas au terrain. Que les Ivoiriens soient chez eux. Parce qu'une mauvaise communication a été faite autour. Ce serait pas bien. Alors, pour éviter tout ça, ce n'est pas une histoire de tel militant, non, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Je dis toujours, dans chaque affaire, quand c'est la Côte d'Ivoire qui est engagée, mettons les clivages politiques de côté et parlons d'Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous voyez politique en tout. Vous voyez politique en tout. Voilà, ici, ils ont libéré, Afrique, Jeune Afrique nous a dit que celui qui a trafiqué nos passeports sera libéré. Il a été condamné en 5 mois. Là encore, vous avez dit c'est faux. Mais vous n'avez pas porté le démenti. Vous dites toujours c'est faux sur les postes des gens, vous n'avez jamais les démenti. C'est très dangereux. Évitons l'émotion en toutes choses. Il faut savoir raisonner. Et moi, je suis là ce matin pour dire aux Ivoiriens, à tous ceux qui suivent le direct en ce moment, que les informations qui circulent sur les réseaux sociaux en ce moment-là, si ces informations sont avérées, il y a donc problème. Si ces informations sont avérées, il y a problème. Et pour que nous, qui suivons les réseaux sociaux, qui sommes aussi suivis là, pour que nous retransmettions la vérité, il faut qu'il y ait un communiqué pour dire non, ce que vous avez dit là, ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, c'est faux. Qu'on peut diffuser, rediffuser les matchs un peu partout, dans les restaurants, un peu partout. Parce que c'est impossible même. C'est impossible que moi je sois dans mon maquis ou bien dans mon bar et que je ne puisse pas zapper les chaînes que je veux pour tomber sur le match. C'est faux, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Parce que tout le monde, Abidjan ici là, ne mange pas à leur faim pour avoir ticket pour aller au terrain. Tout le monde ne mange pas à leur faim. Tu vas payer ticket, tu vas te déplacer pour aller. La meilleure des choses, c'est de regarder ce que tu regardes là. C'est fini. C'est fini. Oui, Calais et René, ouais, pompez le cœur. Pompez le cœur, parce que la mine est sur la plateforme là. La mine est dessus sur le direct. Pompez le cœur. Vous qui êtes d'accord avec ça, là, pompez le cœur. On vous attend. Pompez le cœur. Marie-Josée, il faut pomper le cœur. René, pompez le cœur. Vous qui êtes d'accord. La mine, il faut pomper. La mine, Slippé, il faut pomper le cœur aussi, même si je n'ai pas d'accord. Kwasi Justin, voilà, il faut pomper le cœur. Pompez le cœur. La mine, pompe aussi. Anna Dozan, ma fille, il faut pomper le cœur seulement. Patrice Winner, pompez le cœur. Pompez pour voilà. Je vais vous sentir. Voilà. Je vais vous sentir. Pompez le cœur. Et puis partagez aussi. C'est très important. Je dis, sur ma page directe là, il n'y a pas de sujet tabou. Voilà. Et ici, il n'y a pas de parti pris. Voilà. Nous défendons notre pays. Mais nous ne sommes pas neutres. Voilà. Nous ne sommes pas neutres parce que ici, je suis pour la justice. Je suis toujours du côté du peuple martyrisé. Je suis toujours du côté des personnes vulnérables. Je suis toujours du côté de ceux qui subissent l'injustice. Donc, ici, je ne suis pas neutre. Voilà. Je ne suis pas neutre. Alors, merci bien. Merci, il faut partager. Continue de partager aussi. Alors, pour vous qui venez de nous prendre en marche, il est actuellement raconté un peu partout sur les réseaux sociaux que les organisateurs de la CAN en Côte d'Ivoire auraient produit un communiqué interdisant la rediffusion des matchs dans les maquis, restaurants et bars de Côte d'Ivoire. Et pour le faire, il faut avoir une autorisation spéciale.
pour le faire. C'est donc sur ce sujet-là que nous sommes en train de nous prononcer en ce moment. Pour dire que c'est inadmissible. Béranger Conan, soit salué depuis ta position. Oui, le frère du PDCIRDA. Oui, donc il faut dire que c'est faux. C'est faux. Moi, je dis personnellement, c'est faux. Et je suis d'accord avec la Sidibé, c'est faux. C'est-à-dire, cette information est fausse. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on interdise la rediffusion de ces marques-là dans les endroits publics. C'est faux. Mais dans mon village, à Zébizekou, la génération, la G8, la génération 80, est en train de faire village Zébizekou, village Cannes Zébizekou. Pour permettre à nos parents de suivre la canne à partir d'un projecteur. Ils vont aller arrêter ça. Ils vont dire à la police de Ragayo là, d'aller à Zébizekou pour interdire ça. Bon, si chaque village, il y a des personnes de bonne volonté qui veulent aider leurs parents à suivre la canne sur des écrans géants, ils vont aller arrêter ça. Ne créez pas ce que vous ne pouvez pas finir. Ça aussi là, c'est important. Ne créez pas ça. Ne créez pas ça. Il n'y a pas de stade à Gagnoa. On ne joue pas de match à Gagnoa. Donc, ceux qui ont des maquis restent à Gagnoa ne vont pas diffuser le match. Ceux qui sont en Fergué, ils font comment? Ceux qui sont à Louguata, ils font comment? Ceux qui sont à Boudosipa, ils font comment? Ceux qui sont à Nyaka, ils font comment? C'est impossible. C'est impossible. Alors, nous interpellons donc nos autorités, surtout Monsieur le Premier ministre, de produire un communiqué pour démentir ces informations-là, pour dire tout ce qu'on entend là, c'est faux. Que chacun peut prendre son maillot dans la rue là, c'est vendu à 2000 francs, 5000 francs, selon sa bourse, il porte la couleur orange, bleu, blanc, et quoi on appelle, orange, blanc, vert, et puis il va au stade. Chacun peut porter ce qu'il veut, il est assis devant son écran, et puis il regarde. Voilà, je pense que c'est ce qui est juste. Sinon, comment ça va se faire? Comment on peut interdire la rediffusion des matchs dans les maquis? Il y a trop d'interdictions en Côte d'Ivoire. Si vous ne demandez pas cette information-là, vous serez responsable du retrait ou bien de l'indifférence des Ivoiriens face à cette canne-là. Parce que les terrains seront vides comme ça. Voilà. Et comme en tout chose en Côte d'Ivoire, c'est une histoire de partis politiques désormais, peut-être que ce sont les militants des partis concernés qui vont aller regarder. Parce que c'est impossible. C'est impossible que moi je sois chez moi à la maison et que j'ai mon maquis, mon restaurant ou mon bar et que je ne regarde pas le maquis là-bas. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, population de Côte d'Ivoire, vous qui regardez ce direct-là, il faut éviter que cette histoire de Cannes en Côte d'Ivoire soit encore un problème vraiment qui va soulever encore des divisions par-ci, par-là. Notre pays n'est pas à sa première Cannes. La Cannes a été organisée ici, en Côte d'Ivoire, et puis le ciel n'est pas tombé sur nous. Des interdits par-ci, par-là, on n'a pas entendu. Mais cette fois-ci, là, il y a trop de bruit. Comme le dit le commandant de la gendarmerie, il dit ils entendent les petits bruits. Nous, on entend de gros bruits sur cette affaire de Cannes. Et il faut démentir ça. Voilà. Il faut démentir ça pour que nous ayons le cœur net. Sinon, si ce n'est pas démenti, vous verrez que les Ivoiriens, dans leur ensemble, vont bouder cette canne. Et si la canne est organisée en Côte d'Ivoire et qu'il n'y a pas d'engouement et que chacun est chez lui devant son petit écran pour regarder, vous verrez que ça ne va pas donner une bonne impression. Alors, interdit, c'est vrai. Moi, j'ai cru que ce sont les marches qui sont interdites. J'ai cru que ce sont les rassemblements de l'opposition qui sont interdits. J'ai cru que ce sont les congrès de PDCI et de COGEP qui sont interdits. Or, il y a encore interdiction derrière. Qui va aller jusqu'à interdire qu'on regarde Mac sur notre écran, ce qu'on a acheté, notre abonnement. Oui, il y a un problème. Il y a un problème. Et ça là, il y a un problème. Mais moi, je me demande, comment vous allez faire pour interdire ça?
Oui, Kone Oumar, si c'est une fausse information, il faut demander aux personnes concernées de démentir cela rapidement. Parce que nous-mêmes qui voyons cette information circuler, nous disons que c'est une fausse information. Mais comme elle est récurrente et que tous les sites en parlent, et tous les sites même bien connus en parlent, tous les sites même qui sont régis par la déontologie du journalisme en parlent. Alors, il faut donc démentir cela. Parce que je n'ai pas vu ça seulement sur les pages de Facebook des personnes anonymes, mais je l'ai vu sur des sites qui sont reconnus comme des sites des journalistes ici en Côte d'Ivoire. Alors, si cette information est fausse, demandez aux autorités compétentes de faire, de produire un communiqué pour démentir ce que nous sommes en train de dire. C'est ça. L'objectif de cette vidéo, c'est d'amener nos dirigeants ou bien les responsables de la CAN de nous donner les vraies informations. Il y a trois informations qui ont besoin d'être démenties. Trois informations. Trois. La première, on nous dit que le maillot, les t-shirts à l'effigie des éléphants, ce t-shirt sera vendu à 60 000 francs. Et qu'il aura un contrôle de maillot. Si ce t-shirt n'est pas original, soit tu ne vas pas avoir accès peut-être au stade, ou bien tu seras passible d'une poursuite judiciaire. Ça, ce sont les informations. Ça, c'est une information. La deuxième information, on nous dit que à Korogo, par exemple, parce que là-bas, il y a un stade, il y aura des matchs là-bas. À Korogo et les villes, San Pedro et autres, où il y aura des matchs. Les mariages, les funérailles, et tout est interdit en cette période de Cannes. Ce sont les informations qui succèdent sur les réseaux sociaux. On veut qu'on soit éclairci là-dessus. La troisième information, c'est qu'on vient d'apprendre depuis hier tard la nuit, et aujourd'hui ça continue, que les responsables de la Cannes auraient produit un communiqué interdisant la rediffusion des matchs dans les maquis, bars et restaurants. Et que tous les lieux publics qui souhaiteraient rediffuser ces marques-là sont priés de demander une autorisation en bonne et due forme. Voici les informations qui circulent. Alors nous, comme nous n'avons pas tous ces communiqués-là, nous faisons ces directs pour attirer l'attention des dirigeants là-dessus. Est-ce vrai ou faux? Si c'est faux, alhamdoulaye. Si c'est vrai, c'est pas bon. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que si le t-shirt coûte 60 000, mais ce n'est pas tous les Ivoiriens qui vont l'avoir. Même si le ministre de Ouattara, Mamadou Touré, dit en Côte d'Ivoire, il y a 2% de taux de chômage, qui est selon lui la vérité, et nous la vérité, nous la connaissons. Parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas seulement sur RFI. Donc nous savons la réalité. S'ils font croire à la Banque mondiale que le taux de pauvreté a vraiment diminué en Côte d'Ivoire, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous savons le réel taux de pauvreté en Côte d'Ivoire. Donc, il y a combien d'Ivoiriens capables de souffrir un t-shirt pour les éléphants à 60 000 francs? Combien d'Ivoiriens? Alors, qu'on nous dise, si cette information est avérée, ce qui veut dire que la CAN est organisée pour une certaine couche sociale bien aisée qui puisse acheter, capable d'acheter un maillot à 60 000 francs. Voilà. Parce que même dans les équipes deuxième division, bien plus de la division, quoi, tu vois ici, là, il y a des joueurs même qui ne touchent pas plus de maillot 60 000. Avec votre raison même, on va lui dire, tu vas aller acheter le maillot 60 000, il y a un problème. Il faut voir que les stades en Bigan ici ne sont pas dans les quartiers peuplés. Au plateau, pour ceux qui sont en Bobo, à Yopougon par exemple, ils vont se déplacer sur le transport, donc c'est cher. À IBMP, c'est ceux qui sont en Niama qui vont marcher, mais ceux qui sont en Bobo, ils vont prendre le transport ou bien ils vont peut-être marcher. Mais vous voyez, c'est quand même coûteux en matière de déplacement. Et il faut payer les tickets. Alors, comme tout le monde n'est pas logé à la même enseigne et que actuellement en Côte d'Ivoire tout est cher, actuellement en Côte d'Ivoire tout est véritablement cher, parce que moi je vous dis, il y a 6 mois de cela, j'achetais le sac de riz, comment on appelle, maman ou bien quoi là, à 12 700 et quelques, aujourd'hui ça coûte 16 000, en 6 mois ça coûte 16 000. Bon, avec le nombre d'enfants que j'ai ici, je vais me permettre d'acheter un maillot à 60 000 francs pour porter, pourquoi? Pourquoi? Le seul endroit dans lequel, ou même qui m'est propice, qui s'impose à moi, c'est d'aller dans un restaurant avec des amis. On mange un peu, poulet mort, de foigny, 1000 francs là. Et puis on regarde le match. On regarde le match. Mais si on nous interdit ça, il y a donc problème.
Il y a donc problème. Donc, chère population de Côte d'Ivoire, vous les internautes qui suivez, alors Gisèle Kéhi depuis les États-Unis, ma très chère chérie qui m'a abandonné, voilà, voilà. Donc il y a tout ça. Il faut voir comment nous allons essayer d'apporter les vraies informations aux Ivoiriens. Parce que sur les réseaux sociaux, il faut dire que il n'y a pas de fumée sans feu aussi. Hein. Quand une information vient sur les réseaux sociaux, si c'est faux, il faut le démentir rapidement. Il faut le démentir rapidement. Alors Gisèle Kéhi, voilà, elle dit une canne sans sucre. Voilà, c'est pas sucré. Voilà, il faut démentir cela. C'est très important. Ne gardez pas seulement les informations pour vous. Quand vous voyez sur les réseaux sociaux que c'est pas vrai, dites aux autorités compétentes là de faire un communiqué rapidement pour dire c'est pas vrai. Et puis on avance. Mais quand on ne dit rien et que tout le monde en parle et que des sites sérieux même en parlent, mais nous ne faisons que relayer cela. Voilà, dans le but d'avoir la vraie information. C'est donc cela le communiqué de ce soir et d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui avez écouté ce direct. Il faut continuer de le partager parce que nous avons besoin que l'on nous respecte. Nous avons besoin que nos dirigeants nous respectent. La population souffre déjà trop. Trop, on paye trop ici. Pour ceux qui ont des petites entreprises, les taxes vont les tuer parce qu'on paye trop. Et en ce moment encore, on n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Et puis bon, voilà, la Côte d'Ivoire est devenue autre chose. On va encore interdire de regarder dans Maki. Tout ça là, c'est trop de choses à la fois. C'est trop de choses à la fois. Ils n'ont qu'à arrêter les interdictions sur les partis politiques. Voilà. Voilà, c'est là-bas on interdit congrès. C'est là-bas on interdit les congrès. C'est là-bas on fait ceci. Voilà, interdit de rassemblement, interdit ceci, cela, et c'est le RADP que j'ai réuni. Ça là, Dieu les voit. Mais encore dans fait des manques là, où on va s'asseoir dans nos restaurants avec pâte de poulet, 500 francs, et pour un peu faire semblant que tu vis là, on va interdire ça encore. Arrêtez ça. Ne nous ôtez pas la vie. Voilà, ne nous dégoûtez pas de la vie. Voilà, ne nous faites pas dégoûter la vie. C'est ça. Ne nous faites pas dégoûter la vie. Laissez-nous une petite envie de vivre. Laissez-nous une petite marge pour nous manifester un peu. Il y a quoi? On n'a pas l'eau pour boire ni pour se laver. On peut rien faire. Tout est interdit. On nous interdit l'eau. On nous interdit de parler. On ne peut pas regarder la télévision encore. On paye redevance sur la télévision nationale. On ne regarde pas les matchs qu'on veut. Ça dit c'est la télévision privée. La télévision de l'enfant de Ouattara qui va diffuser les matchs. On a vu ça où? C'est NCI qui a plus de moyens, qui a plus de choses, plus de moyens, plus de relations que la télévision nationale. La télévision nationale n'a pas les marchés pour diffuser les matchs. C'est NCI. Parce que ça appartient au fils de Ouattara. On peut faire ça. Et tout ça, quand tu parles, on dit tu fais politique. Pourtant, sur nos factures, on paye redevance depuis combien d'années? Et la redevance, ça fait des milliards à chaque facture. Mais avec ça, on regarde pas ce qu'on veut. Ça aussi, le deal, là, c'est pas faire politique. C'est parce que Ouattara même, il veut pas qu'on dise que nous avons tous mis en prison. Sinon, il pouvait nous enchaîner. Chez nous, chacun, tu es enchaîné à ta femme, à vos enfants. Et puis chacun, vous êtes tous enchaînés comme ça. Maintenant, vous êtes là, vous êtes enchaînés. Voilà, c'est pas mieux. On sait jamais, les gars. Quand vous faites là, faites doucement. On sait jamais. Attention, on sait jamais. Faites doucement. Interdiction ici. Faites doucement. On sait jamais. Merci. Et puis, on attend le démenti des hommes, de ceux qui dirigent la CAN, pour nous dire que tout ce que je viens de dire là, c'est faux. Et que on peut porter plus que 2000 francs pour aller au stade. Et qu'il n'y a pas d'interdiction de mariage et de funérailles dans les villes concernées par la CAN, à savoir les villes de l'intérieur, Korogo, San Pedro et autres. Il ne faut pas amener le démenti, pas trop le démenti pour dire qu'on peut diffuser les matchs dans les maquis et autres. Il faut dire ça. Voilà.
Alors, Afrique de liberté, chers amis, chers frères et sœurs, c'était donc l'intervention de votre serviteur, l'Amirak Bafé. C'était vraiment un plaisir pour moi d'être en votre compagnie en cette soirée de mercredi 20 décembre 2023. Partagez massivement cette vidéo, invitez vos amis, taguez vos amis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas chose faite, mais surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater, c'est très important. Alors, on est ensemble et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de ce direct. Merci à tous ceux qui ont partagé. On est ensemble et on sera toujours ensemble pour d'autres directs. N'oubliez pas en tout cas d'inviter vos amis, n'oubliez pas d'aller aussi vous abonner sur le compte Côte d'Ivoire 2020 TikTok. Le lien est dans la description de cette vidéo. Cliquez sur le lien automatiquement, vous êtes redirigé sur le compte TikTok Côte d'Ivoire 2020. Là-bas, le nom c'est Afrique de Liberté. Abonnez-vous, invitez un ami à s'abonner, taguez des amis à s'abonner rapidement pour qu'on puisse atteindre les 1000 abonnés pour commencer le direct au départ. On est ensemble et que Dieu vous bénisse. Que Allah vous assiste. Bonsoir chez vous.